persil, estragon, basilic, ail, échalote. Deux gouttes d'eau. Comme ça, les herbes, elles vont rendre un petit peu de jus, ça va se mélanger à l'eau, c'est plus facile à hacher. Pas que les herbes soient trop sèches. Je suis en train de préparer du pain de mie, un peu de lait. Il a absorbé le lait, la chair. Là, je suis en train de mélanger les farces. Alors, il faut prendre du veau un peu gras. C'est ce qui donne le moelleux. J'aime bien toutes les herbes, parce que ça va donner beaucoup de goût. Voilà, une trace d'huile d'olive. Poivre solidement, comme toujours. Allez, à mettre deux œufs là-dedans. Voilà, c'est pas lâché très très fin. Alors, j'ai rajouté des herbes parce qu'il semblait que c'était un peu juste. Alors, mes tomates. Depuis hier, je les avais vidées. J'ai mis un petit peu de sel dedans pour qu'elles rendent l'euro. On les range comme des petits soldats, 3, 6, 9 et 12 tomates. Je vais faire aussi, comme on fait au Maroc, des petites boulettes kefta, quoi. Une boulette de viande avec des œufs. Et vous mettez ça dans un plat à tagine et c'est merveilleux. Je les ai vidés hier, donc j'ai gardé l'intérieur. Rajoute un petit peu de coulis. Le coulis. Je vais faire cuire, parce que j'ai quelques échalotes qui traînent, qui doivent être délicieuses, et puis on va les mettre dedans, ça va donner sans doute un petit peu de goût. En fait, la tomate farcie, la farce, on l'a fait avec ce qu'on veut. Hein. Tu rajoutes aussi des gousses d'ail. Et alors là, tu rajoutes du beurre. Un petit bout de beurre. Pourquoi tu rajoutes du beurre et... Ma mère. Mon père, c'était l'huile d'olive, et ma mère, c'était le beurre. Chapeau, poum. Il faut que ça cuise longtemps. Pour l'instant, je l'ai mis à fond. Donc là, tu as ajouté des restes de champignons dans ta sauce tomate. C'est chaud, mais c'est pas mal, mon truc. C'est appétissant, quand même, hein? Alors là, on va éteindre le four. On va les laisser comme ça. On va laisser dormir. Elles sont un peu racacounées sur le dessus. Confites, un peu cuites, le jus. Façon grand-mère. Mmh.